Ben, c'était vraiment toute une surprise, là. J'étais traumatisée, vraiment bouleversée. Quand on a découvert qu'il est allergique, mais pas à genre un seul ingrédient, mais à plusieurs, et ils sont tous sévères. C'était comme la fin du monde pour moi. J'ai dit, mais comment je vais faire pour nourrir cet enfant, de vraiment de préparer des repas 3 fois par jour, en plus de ça, la collation pour l'école plus tard, et bon, les desserts, bien sûr. Racontez-nous comment le projet de la pâtisserie Petit Lapin a pris forme et le processus de création de recettes anti-allergènes. Bon, fait que Petit Lapin, c'est une pâtisserie sans allergènes. C'est une pâtisserie sans les 10 allergènes prioritaires, sans gluten. Moi, je voulais justement, quand j'avais découvert les allergies de mon fils Ethan, c'est quand il avait 10 mois. Puis on préparait justement pour son premier anniversaire. Et j'ai appelé vraiment toutes les pâtisseries à Montréal pour pouvoir savoir si c'est possible de faire un gâteau d'anniversaire pour le premier anniversaire sans les allergènes de mon fils. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Fait que j'ai dit, bon, ben, moi-même, je vais devoir le faire parce que je suis sa mère et je veux protéger cet enfant-là, puis je veux qu'il se régale comme n'importe quel autre enfant le jour de son premier anniversaire. Comment est venue l'idée de commencer une fondation? Après 3 ans, on peut dire que Petit Lapin est vraiment une option sur le marché. Pour les gens qui ont des allergies alimentaires ou des restrictions alimentaires, il y a une place à aller pour le dessert. Sauf que c'est pas tout le monde qui a les moyens. Et c'est ça que ça me tracassait dès le début. J'ai dit, mais pourquoi ne pas créer une fondation, d'aller justement relever des fonds et de pouvoir donner gratuitement un gâteau d'anniversaire à un enfant le jour de un enfant allergique et cœliaque le jour de son anniversaire. Pensez-vous que vos pâtisseries, les pâtisseries Petit Lapin, ont fait une différence dans la vie de certains de vos clients? Oui. Oui, définitivement. Et ça, j'en ai reçu plusieurs courriels, de lettres aussi, puis même juste des commentaires, des feedbacks de mes clients, puis pas juste de mes clients, mais de tout le monde au fond. Donc, que je les croise dans la rue, des fois je fais l'épicerie, puis les gens me reconnaissent parce que, bon, je passe dans les journaux, je passe à la télé, et ils me disent, ah, mais vous êtes Madame Petit Lapin, et merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour justement pour nos enfants, pour les gens allergiques, les gens cœliaques, les gens avec des restrictions alimentaires. Ce qui me rend le plus fière, c'est que mon fils peut justement se régaler sans souci.